Good afternoon to you, televiewers, and welcome to joining us on this special edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television, where we are getting information that has just been announced that 9 political parties will so far be taking part in the October 7, 2018 presidential elections. In this newscast, we shall be giving you the various political parties. Bon après-midi. Bonjour, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'actualité majeure de cette journée, bien sûr, la publication de la liste des candidats à la présidentielle. Ils sont 9 habilités à concourir le 7 octobre prochain. Le Conseil électoral a dévoilé dans ce jour la liste des candidats. Donc, il s'agit notamment de Paul Biya du RDPC, Maurice Kamto du MRC, Joshua aussi du SIF, Akere Mouna du FPD, Cabral Libi du Parti Univers, Serge Espoir Matomba du PUS, Dame Doya de l'UDC, Gaga Aman de l'ADD, Ndifon du CNCM. Donc, 5 candidats, donc, il faut préciser qu'ils font leur entrée pour la première fois dans cette 38 dossiers déposés à l'ECAM. 27 ont été étudiés après le désistement d'Isaac Feuzeux, le président du parti politique Merci, qui a rejoint le G20. 18 ne remplissant donc pas les critères, ont été rejetés par le Conseil électoral. Et les candidats recalés disposent donc de 2 jours pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, la colère des ouvriers de Grand dans une exploitation agricole située à Bandjor dans le département de la Haute-Sanaga, après avoir récolté du cacao sur plus de 10 hectares de culture, des ouvriers dénoncent le non-paiement de leur rémunération fixée à 250 000 francs CFA. Charles Melingui, Marcelin Ganson. Député et ne sachant à quel sein se vouer, ce groupe de jeunes pygmées décide de quitter le village Niassi en Bandjok, direction leur campement à Mindourou, dans la région de l'Est, d'où ils sont partis le 9 mai 2018. Ces pygmées estiment avoir été abusés par leur patron, François Manga, ici représenté par le sieur Zimbassi, recruté le 31 mai dernier pour défricher et récolter 10 hectares de cacao. Grande a été leur surprise qu'à la fin des travaux, 2 hectares supplémentaires leur soient imposés sans qu'ils n'aient perçu la rémunération de 250 000 francs CFA qui leur avait été promise. Quand on est arrivé, ils nous avaient montré 10 hectares. Et cela, c'est 10 hectares maintenant. Quand on finit de défricher tous les 10 hectares, il dit que c'est 4 hectares. Il veut que vous défrichiez encore combien d'hectares? Bon, il nous a montré 2 hectares encore. On a donné, on a défiché ça bien. Il reste maintenant une petite partie pour que ça finisse. Quand on ne peut pas passer directement, on ne peut pas on va partir. On est obligé de venir au commissaire. On l'a signalé là, on a expliqué là-bas. Le commissaire nous a envoyé ici. Se sentant trompés et dupés, ces 14 pygmées et leurs familles ont donc décidé de retourner à Mindourou, non sans avoir saisi sans succès les autorités locales de Bandjok, au rang desquelles le sous-préfet et le commissaire de la ville. Interpellé par nos soins pour comprendre le fin mot de l'histoire, le sieur Zimbassi, que voici, balbutie. Et partir de chez moi, sans mon consentement et tout, et c'est le tout, et dire que vous, tu vas partir de Bandjok jusqu'à Yaoundé, tu vas arriver quand? C'est très impossible. Et là où ils sont là, ils sont à ma responsabilité, ils attendent le sein, je les dépose chez eux en bonne et due forme. Nous insistons pour savoir pourquoi les 250 000 promis n'ont pas été payés. Sa réponse est encore plus évasive. Là, il est question maintenant de les ramener et les déposer chez eux. Le contrat n'a plus, le contrat est maintenant annulé. Et dire que la plantation de cacao au centre du litige appartient à François Manga, un ancien sous-préfet, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé connaître la loi. On tombe simplement des nus. Les gens qui passent tout le temps à nous traiter comme des tombes, c'est comme si on n'avait pas les humains là, que vraiment l'État doit mettre les gens là. Même si les gens ne suivent pas la personne, qu'on le met seulement en prison, puisque c'est déjà des tours partout. Là on part, on nous traite comme les animaux, c'est comme si on n'a pas le sang, c'est comme tout le reste. On est dépassé, tu vois, depuis la journée, on est là avec les femmes et les enfants. Les syndicats de travailleurs sont formels. Il s'agit là d'un cas d'exploitation avéré. Un phénomène dont les pygmées et d'autres minorités sont régulièrement victimes. Eux que des exploitants agricoles utilisent comme des moins que rien et qui sont presque toujours payés en monnaie de singe lorsque leur supposé patron ne cherche pas des prétextes pour ne rien leur donner. L'exemple malheureux du village Niassi, Pambandjok,
doit parler à tout le Cameroun. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les campagnes de sensibilisation sur le VIH-SIDA sont-elles en train de s'essouffler? À peine 75 pères éducateurs ont été mobilisés dans la ville de Douala pour pouvoir donc éduquer les jeunes durant ces vacances scolaires. Le reportage de Georges Mitterrandam et de Julingue Nyondi. Le taux de prévalence du VIH-SIDA en nette progression chez les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Révélation faite par les responsables du Comité national de lutte contre le sida pour le littoral. C'était lors du lancement de la campagne baptisée « Vacances sans sida » rendue à sa 16e édition à Douala. Dans la région du littoral, tout récemment, on nous a annoncé par une étude de Tampia la baisse du taux de séroprévalence au niveau du Cameroun. Le taux de séroprévalence est passé de 4,3 au niveau national à 3,4 à ce jour. Mais, je vous dirais, la tranche des jeunes qui va de 15 à 24 ans, ce taux de prévalence est encore élevé. Sur les 10 infections que nous pouvons avoir, dans cette tranche d'âge, nous avons 6 infections. Et les jeunes filles sont les plus vulnérables. Donc nous exhortons les jeunes à un comportement responsable, à un bon usage d'utilisation du préservatif, à l'abstinence et à la fidélité à un seul partenaire dont on connaît le statut sérologique. Si la courbe semble avoir baissé sur le territoire national, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises pour freiner la propagation du VIH-SIDA en milieu jeune. C'est dans ce sens que 75 pères éducateurs ont été formés afin de sensibiliser cette couche la plus exposée au VIH-SIDA. Il y a eu 75 pères éducateurs qui ont été formés et qui devront, n'est-ce pas, se déployer dans la région à l'effet de procéder à la sensibilisation et à l'éducation des jeunes quant aux mesures qui sont prises dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte. Ces mesures impliquent la participation de tous les acteurs, y compris les jeunes eux-mêmes. Et il a été assigné à ce père éducateur d'éduquer au moins 35 000 jeunes filles pour le compte de cette année et 25 000 jeunes garçons. Une tâche qui certes ne semble pas facile, mais permettra aux pères éducateurs d'informer les populations sur les méthodes de prévention. En tant que père éducateur, nous sommes censés sensibiliser la population. Ils doivent connaître leur statut sérologique et ils doivent savoir que la sensibilisation est gratuite, la prise en charge est gratuite, le médicament est gratuit. La 16e édition de Vacances sans sida a été placée sous le thème « Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH-SIDA ». L'actualité à l'international à présent, après s'être vu refuser à deux reprises l'entrée en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi entend saisir les instances internationales pour faire valoir ses droits. Mais le temps presse à mesure que s'approche la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Par contre, au sein du Front commun pour le Congo, la nouvelle plateforme du président Kabila, beaucoup spéculent encore. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Martial Diomo. À quelques heures de la clôture des dépôts de candidature, les spéculations se poursuivent quant à la candidature ou non de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le mandat a expiré depuis décembre 2016, ne peut plus, selon la constitution congolaise, se porter candidat. Le Front commun pour le Congo, sa nouvelle plateforme politique, devra donc désigner le candidat de la majorité présidentielle au pouvoir. Si l'éventualité de celle de Kabila n'est pas complètement exclue et peut connaître une infime chance de succès, d'autres noms de potentiels dauphins sont avancés très essentiellement dans l'entourage immédiat de Joseph Kabila. En face, ça se bouscule dans les rangs de l'opposition pour cette élection présidentielle du 23 décembre prochain. Certains comme Jean-Pierre Bemba ont déjà déposé leur dossier à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vital Kamerhe, arrivé troisième en 2011 derrière Kabila et Étienne Tshisekedi, a lui aussi déposé le sien. Moïse Katumbi, quant à lui, n'arrive toujours pas à regagner la République démocratique du Congo pour la cause. Selon ses soutiens locaux, les autorités actuelles multiplient des stratégies pour empêcher le retour de ce candidat sérieux à la présidentielle de décembre prochain, ce qui n'exclut pas que ses partis dépose son dossier de candidature malgré cette absence physique au pays.
L'actualité sportive à présent, à 4 mois du délai de livraison du nouveau stade Omnisports d'Olembe, le gros œuvre est presque achevé. L'entreprise prestataire s'active à la pose de la toiture au stade Paul Biya et c'est le constat que font nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gonceau. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition que les inspecteurs de la CAF vont visiter dans les prochaines heures. Les gradins sont achevés et n'attendent plus que la pose des sièges. Pour l'instant, un seul offre l'hospitalité au gouverneur de la région du centre. Je voudrais que le Camerounais, par rapport à ce stade, sache que le stade sera prêt. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre, et par l'entreprise, et par les pouvoirs publics, pour que ça se passe très bien. Donc pour le moment, nous n'avons pas de raison d'être inquiets, parce que techniquement, hein, même si on est novice en la matière, on voit que les choses se passent très bien. Qu'il s'agisse de la tribune présidentielle, de la toiture, que des deux stades annexes, il y a eu des avancées notables depuis le dernier passage du comité de site. D'ailleurs, la pose de la toiture commence à se dévoiler. Bon, comme d'habitude, le travail avance et avance avec un très bon rythme. On peut voir les zones principales des stades où toute la structure est finie. On a commencé aussi avec le couverture ou le toit qui va être fini le 15 septembre en total. Tous les matériels nécessaires sont ici au chantier, soit pour le toit, soit pour le lot technologique. Moins d'un an nous sépare de la CAN 2019 et alors que la mission d'inspection de la CAF est dans nos murs, le groupe Pichini promet que les délais seront tenus. On va continuer avec ce rythme de travail, on va continuer à travailler jour et nuit, on va toujours continuer à augmenter le numéro de personnel et matériel plus qu'il est nécessaire même, parce qu'on va toujours travailler pour finir ce stade pour la fin de décembre, pour le 28 décembre 2018. C'est un chantier en pleine ébullition qui nous accueille à quelques heures de la visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Le groupe Pichini rassure, ce stade sera livré dans les délais et donc il ne devait pas avoir d'inquiétude par rapport à la capacité du Cameroun d'organiser la CAN qui pointe à l'horizon. Ici le stade Paul Biya d'Olembe, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinoxe Télévision. Cette note triste en sport, AS Matelo est en deuil. Lionel Tinda, coach stagiaire, est décédé ce jour. Selon des proches, il s'est écroulé subitement en pleine séance d'entraînement au stade Camraï, transporté d'urgence à l'hôpital et rendra l'âme en cours de route. Âgé d'une trentaine d'années, le décès de Lionel Tinda, alias Capello, laisse sans voix ses nombreux joueurs ainsi que le staff technique d'AS Matelo, le club de Ligue 2, ce club de la région du littoral, qui est qualifié, faut-il le préciser, pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Un décès de plus dans les milieux du sport. Écoutons à présent les différentes réactions du coach principal d'AS Matelo, Gabriel Zabuto, ainsi qu'un joueur au micro d'Equinoxe Télévision. Nous sommes arrivés, on avait ça en entraînement à 7h. Nous sommes arrivés, il a matérialisé le stade. On a prié, on a commencé l'entraînement. C'est lui qui coordonnait l'entraînement. Subitement après, il nous a dit arrêter la séance, aller dans les ateliers. Sommes dans les ateliers, il y a un atelier qui fallait 4 ballons. Déjà celui qui devait envoyer les 4 ballons, il a envoyé juste 2 ballons. Et le troisième ballon en poussant, il s'est écroulé. Nous tous étions surpris. On s'est rapproché vers le coach pour voir ce qu'il n'allait pas. On a pensé qu'il était épilepsie. On a cherché à arrêter sa langue. On a calé avec le téléphone. On s'est retrouvé ce matin, aux alentours de 6h30. Nous avons fait notre traditionnelle séance d'avant-match, c'est-à-dire qu'entre nous les encadreurs, et on a réparti les tâches comme d'habitude, et lui il était chargé, n'est-ce pas, de la partie échauffement. On se retrouve sur le terrain, quand on finit l'échauffement, il y avait un rappel de force à faire. Bon, il était question maintenant qu'on se déporte sur l'atelier de force,
on lui demande de nous envoyer 4 ballons. Il tire le premier ballon, il tire le deuxième ballon. Et c'est comme ça qu'on nous crie dessus que attention, il s'est écroulé. Et quand on accourt, on trouve qu'effectivement, il s'est écroulé. Et on a essayé de faire la réanimation. Le temps de l'amener à l'hôpital, quelques instants après, on nous appelle qu'il a rendu là. À présent, se publie un reportage. La première édition du tournoi de l'unité a démarré samedi dans l'arrondissement de Tonga. Il est question pour les fils et filles de prôner le vivre ensemble. Reportage. Au patronage du sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, dans le département du Ndé à l'ouest du Cameroun, qu'a démarré samedi dernier la première édition baptisée Tournoi de l'unité de l'arrondissement du même nom. Une initiative de vie du terroir, M. Tchoumke Clovis. En prélude au coup d'envoi des rencontres de football, une marche de l'unité s'est déroulée dans les différents artères du centre urbain de Tonga. Occasion de célébrer l'unité nationale qui trouve ses racines dans la date du 20 mai 1972, comme l'a si bien précisé son promoteur, M. Tchoumke Clovis. Et compte tenu aussi du thème de la fête de l'unité. À Tonga, on trouve des anglophones, à Tonga, on trouve des bétis, à Tonga, on trouve des bassas. Donc j'ai trouvé que par Tonga, on peut lancer un exemple pour que tout le pays suive. L'après-midi prévoyait le démarrage proprement dit de ce tournoi de football. Plusieurs invités de marque y ont effectué des placements afin de vivre les temps forts d'une grande première dans l'arrondissement de Tonga. Des artistes musiciens du département du Ndé, alliant leur voix grave au son exotique de cette partie du pays, n'hésiteront pas à plonger les mélomanes dans une ambiance de grands jours. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga en personne qui préside ces festivités sportives. À ses côtés, le premier magistrat de la commune de Tonga. Dans son propos, le promoteur de cette première édition du tournoi de l'unité de Tonga précisera qu'il est question de stimuler les jeunes afin qu'ils participent amplement à la dynamique de l'émergence et travaillent pour trouver leur voie à travers le football comme plusieurs autres footballeurs dont le talent s'est avéré ou consolidé à travers les tournois du genre. Et cela a été possible par le concours de beaucoup de grands frères ici, que je ne peux pas citer parce que tout le monde a contribué. Et déjà par votre présence, vous avez déjà contribué. Les nombreuses élites de cet arrondissement auront également pesé de tout leur poids afin que ce tournoi se tienne. Une fois le coup d'envoi donné par le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, Port Football Club et Sao Paulo gratifieront pendant 90 minutes le public d'un spectacle de haute facture et se sépareront sur le score d'un but partout pour la plus grande satisfaction des élites de cette partie du pays. Le jour d'aujourd'hui au Cameroun, c'est le leitmotiv voulu non seulement par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est un vœu aussi très cher à tout Camerounais parce que l'actualité au jour d'aujourd'hui nous exige de réveiller en nous ou bien de faire montre de cet éveil d'unité et du vivre ensemble. Cette étoile montante de l'arrondissement de Tonga, nous invitons toutes les élites à lui soutenir dans cette initiative. Il est également à rappeler qu'en prédit le coup d'envoi de cette rencontre, l'on a assisté à un imposant défilé des différentes formations devant prendre part au dit tournoi, entièrement équipé de maillots, shorts et bas par le promoteur. La grande finale aura lieu le 25 août 2018, toujours à Tonga. Le fait majeur du jour, c'est bien sûr la publication de la liste des candidats pour la présidentielle de 2018 et ils sont donc 9 à concourir, Innocent Azé. Exactly, Nadine Yambo, as you got it from Nadine Yambo, 9 presidential aspirants will be taking part in the October 7, 2018 presidential election of Cameroon. The announcement was made public this morning by the Lekan Electoral Board.
after the electoral board, after examination of 27 files deposited, 18 files of presidential hopefuls were rejected among the 27. It should be noted that 28 files were initially deposited at the elections Cameroon, but Isaac Fazo later withdrew his candidacy. However, the 9 aspirants retained are Paul Biya of the CPGM, O.C. Joshua of the SDF, Garga Haman, ADD, Ndamjoya, UDC, Maurice Kamto, CRM, Cabral Libi, Univer, Akire Muna, FPD, Serge Espoir Matomba, Purse, and equally Franklin Ndifo of the CNMC. What is peculiar is that no woman will be taking part in the October 7, 2018 presidential election. And now let's have an extract of the board chairperson of the electoral board, Eno Abraham Egbe, who read out the names of the presidential aspirants. Besides, it is important to recall that section 129 of the electoral code stipulates that objections or petitions relating to the rejection or acceptance of candidates, as well as those relating to the color, initials or emblem adopted by a candidate, may be brought before the Constitutional Council by any candidate or political party taking part in the election or any person serving as a government representative in the said elections within a maximum period of 2 days following the publication of the list of candidates done in Yaoundé this day, 7 August 2018. For the electoral board, the chairperson, Eno Abraham Egbe. Thank you very much. And it should be noted that the SDF will be taking part, of course, in the 2018 presidential elections. And, of course, preparations have been intensifying within the ranks of the SDF, especially here in the littoral region, where members converge at the Douala Touré Council Hall to discuss matters relating to the campaigns that are upcoming of OC Joshua, the presidential aspirant. We have details with For Me, Armstrong Sander. As part of the winning strategies ahead of the October 7 presidential election, the Social Democratic Front Party is recruiting volunteers to campaign for their flag bearer, Honorable O.C. Joshua, an initiative of the presidential candidate himself, which the party believes will go a long way to correct the errors of the past and ensure victory come October 7. The volunteers that are ready to work for our brother candidate of Joshua, they can help him to make the batches, to put out the affidavits. Yes, we will help him to put the batches, to help him to go out for the campaign, for the different meetings, the different associations, to inform them that we were waiting for a new leader, a youth, a young leader, to work for this country, because we are already tired of those who are getting for 80 years, 90. The forms which candidates are expected to fill were presented to SDF militants and the littoral regional executive members of the party in Douala yesterday. The militants were gathered at the Douala 3 Council Hall for an extraordinary meeting of the party's regional executive committee for the littoral. The extraordinary meeting had as focus the upcoming presidential election. The ESCO members discussed and strategized on the evolution of the electoral process, identification and listing of polling stations in unauthorized places within the region, distribution of voters' cards and funding the presidential election campaign, among others. Inside here, you are hearing the number of polling stations that they have had, of what was at the past. They have had so many polling stations. And those volunteers now will come in and help us to cover all those polling stations, because we cannot play with no polling station now, because time is not what it was at. According to Carlos Ngualem, deputy mayor of Douala 5 Council, 3 polling stations in that subdivision are located in unauthorized places. They are in the traditional chief's palaces of Ngombe, Ndokbet, and Bonabiake villages. The Social Democratic Front Party in the littoral region also highlighted that voters' cards of potential voters who registered this 2018 are not yet available. Women of the SDF who believe the party has given a lot to them are not silent about devising winning strategies.
I've never seen a party where they honor women as they honor in the SDF. The way men are fighting, that is how the women are equally fighting outside. People, we talk to people. Maybe you can see somebody that doesn't have any idea about political career in Cameroon. And bring the person to know how politics is, how this SDF functions. The SDF extraordinary meeting chaired by the Littoral Regional President of the party, Honorable Jean-Michel Ninchu, ended with the collection of close to 10 million francs CFA to finance the party's presidential election campaign. And unlike the SDF, other presidential aspirants who are featured on the final list published by the Electoral Board of ELECAM will equally be intensifying preparations ahead of the October 7, 2018 presidential elections. Away from politics, artisans in the far north region of Cameroon, Maro in particular, lamenting over the death of the artisanal sector, which has made life difficult for them. They blame this on Boko Haram attacks, which have so far scared tourists visiting Marwa. We have details in this report. They are all artisans producing different craft results like leather slippers, pearls, bangles, and lot more. But their artisanal activity is no longer lucrative as back alleys. Very few customers, mostly foreigners or tourists, come to buy as they bask the sun, waiting for one. Many blame the death of this one-time lucrative artisanal occupation in the far north region, Marwa, on insecurity posed by the jihadist group Boko Haram. Most artisans have abandoned the occupation, while lovers of this activity still hook onto it for survival, despite the fact that over 95% of tourists no longer visit Marwa because of Boko Haram barbaric attacks, which have paralyzed the tourism sector within a space of 4 years. Getting food on the table from this artisanal activity nowadays is hectic. L'artisanat est malade, on peut le dire, parce que... Officials in the region then detect that artisans decide to go informal, which impedes growth of the sector. Informel, c'est-à-dire, quel que soit le cas, on rampe sur le même pas, on n'évolue pas. Others talk of negligence on the part of artisans, whereas they can make themselves known for assistance. Malheureusement, ne le met pas en valeur, malheureusement, ne se fait pas connaître. Il reste toujours dans l'informel, alors qu'ils peuvent fabriquer des produits. Artisans, on their part, complain of closed borders, an impossibility for their artisanal items to move to neighboring Nigeria. Vous voyez, envoyer les enfants à l'école, certains parents n'arrivent plus même à payer la scolarité. Sending children to school becomes a constraint. C'est très difficile donc. No. Artisans now hope the measures taken by government to reinstate security will revamp the artisanal sector for its promoters to once more smile. And now in sports, the third CAF inspection mission that arrived Cameroon yesterday began inspecting, of course, sport infrastructures under construction and rehabilitation to host the 2019 AFCON. It is the first team of CAF inspectors that arrived the country. For the first time, the delegation will evaluate all aspects related to Cameroon's readiness to host the African tournament. They will inspect stadia, hotels, and other infrastructures linked to the AFCON 2019. All cities to host the event will as well be inspected, with Yaoundé being first. The inspection in Yaoundé began today. And meantime, works in Yaoundé are said to be progressing at the Olembe Omnisport Stadium with 60,000 seats. Works have significantly accelerated, with the local organizing committee led by Governor Nasiri Paul Biya constantly on the site to follow up works. Works in the tribunes are almost through. Engineers are now looking forward to install the seats and fast wrap up other works, which they say will be complete before the deadline. Governor Nasiri Paul Biya so far expressed satisfaction on the level of works attained. Let's now listen to the governor of the Central Region, Nasiri Paul Biya. I think I wanted us to come to the field to be able to assess
the level of advancement of work on the Olympic Stadium. And as we can see, all of us, that everything has changed. The presidential lounge, which was at just one level, is almost complete. And the whole stadium, all the heavy works have been done. And now the roofing has started. And we think that by the time the mission comes, they will be satisfied. It is certain that at the end of this year, our stadium will be ready. And that we want Cameroonians to believe, as we are seeing, because you are there to show them that the work is going on, because all the heavy material, which was a fear of the inspection team, all the heavy materials are already available. And so we want to still push the Piccini group to continue working hard so that we don't have any mistakes and we don't have any delays. And on the part of the contractor, Sam Thamin, the project will be realized before the deadline scheduled. We have details with him in this excerpt. The work in the Olympic Sports Complex has advanced a lot over the last period and will continue to advance, and it will be completed, let's say, the works necessary for the hosting of the African Cup of Nations in 2019 in Cameroon will be completed end of this year, 6 months before the competition. As you can see in your cameras, the main structural work is completed. We have started with the roof works, both in assembly and installation. Behind me you could see a lot of assembled roof elements, two of which will be lifted tomorrow. One was lifted yesterday, and within a month this roof structure should be fully installed, followed by the installation of the roof covering. Apart from this, the electromechanical works, both in the infrastructure side, outside, have significantly advanced. The rest of the electromechanical works in the interiors have also advanced well. We are planning to start the finishing work by the first week of September. We're also on course to start with the facade works to close the buildings where the facade is closed, starting from the first week of September. In general, everything is advancing. People are working day and night, as they have always been doing. And there are no issues with material, and there are no issues with equipment or personnel. And that's it for this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Another newscast comes up at 4 p.m. Do not miss. Nadine Yamou at 4 p.m. Merci, Gino Sen Nazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. La sensibilisation est gratuite, la prise en charge est gratuite, le médicament est gratuit. La 16e édition de Vacances sans sida a été placée sous le thème « Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH-Sida ». L'actualité à l'international, à présent, après s'être vu refuser à deux reprises l'entrée en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi entend saisir les instances internationales pour faire valoir ses droits. Mais le temps presse à mesure que s'approche la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Par contre, au sein du Front commun pour le Congo, la nouvelle plateforme du président Kabila, beaucoup spéculent encore. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Martial Diomo. À quelques heures de la clôture des dépôts de candidature, les spéculations se poursuivent quant à la candidature ou non de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le mandat a expiré depuis décembre 2016, ne peut plus, selon la constitution congolaise, se porter candidat. Le Front commun pour le Congo, sa nouvelle plateforme politique, devra donc désigner le candidat de la majorité présidentielle au pouvoir. Si l'éventualité de celle de Kabila n'est pas complètement exclue et peut connaître une infime chance de succès, d'autres noms de potentiels dauphins sont avancés très essentiellement dans l'entourage immédiat de Joseph Kabila. En face, ça se bouscule dans les rangs de l'opposition pour cette élection présidentielle du 23 décembre prochain. Certains comme
Jean-Pierre Bemba ont déjà déposé leur dossier à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vital Kamerhe, arrivé troisième en 2011 derrière Kabila et Étienne Tshisekedi, a lui aussi déposé le sien. Moïse Katumbi, quant à lui, n'arrive toujours pas à regagner la République démocratique du Congo pour la cause. Selon ses soutiens locaux, les autorités actuelles multiplient des stratégies pour empêcher le retour de ce candidat sérieux à la présidentielle de décembre prochain, ce qui n'exclut pas que ses partisans déposent son dossier de candidature malgré cette absence physique au pays. L'actualité sportive à présent, à 4 mois du délai de livraison du nouveau stade Omnisport d'Olembe, le gros œuvre est presque achevé. L'entreprise prestataire s'active à la pose de la toiture au stade Paul Biya et c'est le constat que font nos reporters Joël Essengue et Marcelin Gonceau. C'est une cuvette d'Olembe en pleine ébullition que les inspecteurs de la CAF vont visiter dans les prochaines heures. Les gradins sont achevés et n'attendent plus que la pose des sièges. Pour l'instant, un seul offre l'hospitalité au gouverneur de la région du centre. Je voudrais que le Camerounais, par rapport à ce stade, sache que le stade sera prêt. Tout a été fait, tout a été mis en œuvre, et par l'entreprise, et par les pouvoirs publics, pour que ça se passe très bien. Donc pour le moment, nous n'avons pas de raison d'être inquiets, parce que techniquement, hein, même si on est novice en la matière, on voit que les choses se passent très bien. Qu'il s'agisse de la tribune présidentielle, de la toiture, que des deux stades annexes, il y a eu des avancées notables depuis le dernier passage du comité de site. D'ailleurs, la pose de la toiture commence à se dévoiler. Bon, comme d'habitude, le travail avance et avance avec un très bon rythme. On peut voir les zones principales des stades où toute la structure est finie. On a commencé aussi avec le couverture ou le toit qui va être fini le 15 septembre en total. Tous les matériels nécessaires sont ici au chantier, soit pour le toit, soit pour le lot technologique. Moins d'un an nous sépare de la CAN 2019. Et alors que la mission d'inspection de la CAF est dans nos murs, le groupe Pichini promet que les délais seront tenus. On va continuer avec ce rythme de travail. On va continuer à travailler jour et nuit. On va toujours continuer à augmenter les numéros de personnel et matériel plus qu'il est nécessaire même, parce qu'on va toujours travailler pour finir ce stade pour les fins de décembre, pour le 28 décembre 2018. C'est un chantier en pleine ébullition qui nous accueille à quelques heures de la visite d'inspection de la Confédération africaine de football. Le groupe Pichini rassure, ce stade sera livré dans les délais et donc il ne devrait pas avoir d'inquiétude par rapport à la capacité du Cameroun d'organiser la CAN qui pointe à l'horizon. Ici le stade Paul Biya d'Olembe, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinoxe Télévision. Cette note triste en sport, AS Matelo est en deuil. Lionel Tinda, coach stagiaire, est décédé ce jour. Selon des proches, il s'est écroulé subitement en pleine séance d'entraînement au stade Kamraï, transporté d'urgence à l'hôpital et rendra l'âme en cours de route. Âgé d'une trentaine d'années, le décès de Lionel Tinda, alias Capello, laisse sans voix ses nombreux joueurs ainsi que le staff technique d'AS Matelo, le club de Ligue 2, ce club de la région du littoral, qui est qualifié, faut-il le préciser, pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Un décès de plus dans les milieux du sport. Écoutons à présent les différentes réactions du coach principal d'AS Matelo, Gabriel Zabuto, ainsi qu'un joueur au micro d'Equinoxe Télévision. Nous sommes arrivés, on avait ça en entraînement à 7h. Nous sommes arrivés, il a matérialisé le stade. On a prié, on a commencé l'entraînement. C'est lui qui coordonnait l'entraînement. Subitement après, il nous a dit arrêtez la séance, allez dans les ateliers. Sommes dans les ateliers, il y a un atelier qui fallait 4 ballons. Déjà celui qui devait envoyer les 4 ballons, il a envoyé juste 2 ballons. Et le troisième ballon en poussant, il s'est écroulé. Nous tous ont été surpris. On s'est rapproché vers le coach pour voir ce qui n'allait pas. On a pensé que c'était l'épilepsie.
On a cherché à arrêter sa langue. On a calé avec le téléphone. On s'est retrouvé ce matin, aux alentours de 6h30. Nous avons fait notre traditionnelle séance d'avant-match, c'est-à-dire qu'entre nous, les encadreurs, et on a réparti les tâches comme d'habitude. Et lui, il était chargé, n'est-ce pas, de la partie échauffement. On se retrouve sur le terrain. Quand on finit l'échauffement, il y avait un rappel de force à faire. Bon, il était question maintenant qu'on se déporte sur l'atelier de force. On lui demande de nous envoyer 4 ballons. Il tire le premier ballon, il tire le deuxième ballon. Et c'est comme ça qu'on nous crie dessus que, attention, il s'est écroulé. Et quand on accourt, on trouve qu'effectivement, il s'est écroulé. Et on a essayé de faire la réanimation. Le temps de l'amener à l'hôpital, quelques instants après, on nous appelle qu'il a rendu là. À présent, se publie un reportage. La première édition du tournoi de l'unité a démarré samedi dans l'arrondissement de Tonga. Il est question pour les fils et filles de prôner le vivre ensemble. Reportage. Au patronage du sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, dans le département du Nord à l'Ouest Cameroun, qu'a démarré samedi dernier la première édition. Good afternoon to you, televiewers, and welcome to joining us on this special edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television, where we are getting information that has just been announced that 9 political parties will so far be taking part in the October 7, 2018 presidential elections. In this newscast, we shall be giving you the various political parties. Bon après-midi. Bonjour, Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'actualité majeure de cette journée, bien sûr, la publication de la liste des candidats à la présidentielle. Ils sont 9 habilités à concourir le 7 octobre prochain. Le Conseil électoral a dévoilé dans ce jour la liste des candidats. Donc, il s'agit notamment de Paul Biya du RDPC, Maurice Kamto du MRC, Joshua aussi du SIF, Akere Mouna du FPD, Cabral Libi du Parti Univers, Serge Espoir Matomba du PUS, Dame Doya de l'UDC, Gaga Aman de l'ADD, Ndifon du CNCM. Donc, 5 candidats. Donc, il faut préciser qu'ils font leur entrée pour la première fois dans cette prise de 8 dossiers déposés à l'ECAM. 27 ont été étudiés après le désistement d'Isaac Feuzeux, le président du parti politique Merci, qui a rejoint le G20. 18 ne remplissant donc pas, les critères ont été rejetés par le Conseil électoral et les candidats recalés disposent donc de 2 jours pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, la colère des ouvriers de Grand dans une exploitation agricole située à Banjor dans le département de la Haute-Sanaga, après avoir récolté du cacao sur plus de 10 hectares de culture, des ouvriers dénoncent le non-paiement de leur rémunération fixée à 250 000 francs CFA. Charles Melingui, Marcelin Ganson. Députés et ne sachant à quel sein se vouer, ce groupe de jeunes pygmées décide de quitter le village Niassi en Bandjok, direction leur campement à Mindourou, dans la région de l'Est, d'où ils sont partis le 9 mai 2018. Ces pygmées estiment avoir été abusés par leur patron, François Manga, ici représenté par le sieur Zimbassi, recruté le 31 mai dernier pour défricher et récolter 10 hectares de cacao. Grande a été leur surprise qu'à la fin des travaux, 2 hectares supplémentaires leur soient imposés sans qu'ils n'aient perçu la rémunération de 250 000 francs CFA qui leur avait été promise. Quand on est arrivé, ils nous avaient montré 10 hectares. Et ici, là, c'est 10 hectares maintenant. Quand on finit de défricher tous les 10 hectares, il dit que c'est 4 hectares. Il veut que vous défrichiez encore combien d'hectares? Bon, il nous a montré 2 hectares encore. On a donné, on a défiché ça bien. Il reste maintenant une petite partie pour que ça finisse. Comme on ne pouvait pas passer directement, on ne pouvait pas partir. On est obligé de venir au commissariat. On l'a signalé là, on a expliqué là-bas. Le commissaire nous a envoyé ici. Se sentant trompés et dupés, ces 14 pygmées et leurs familles ont donc décidé de retourner à Mindourou, non sans avoir saisi sans succès les autorités locales de Banjok, au rang desquelles le sous-préfet et le commissaire de la ville.
interpellé par nos soins pour comprendre le fin mot de l'histoire. Le sieur Zembassi, que voici, balbutie. Il est parti de chez moi, sans mon consentement et tout, et c'est le tout. Et dire que vous, tu vas partir de Mbagno jusqu'à Yaoundé, tu vas arriver quand? C'est très impossible. Et là où ils sont là, ils sont à ma responsabilité, ils attendent le 5, je les dépose chez eux en bonne et due forme. Nous insistons pour savoir. Baptisé Tournoi de l'unité de l'arrondissement du même nom. Une initiative de filles du terroir, M. Tchoumke Clovis. En prélude au coup d'envoi des rencontres de football, une marche de l'unité s'est déroulée dans les différents artères du centre urbain de Tonga. Occasion de célébrer l'unité nationale qui trouve ses racines dans la date du 20 mai 1972, comme l'a si bien précisé son promoteur, M. Tchoumke Clovis. Et compte tenu aussi du thème de la fête de l'unité, à Tonga on trouve des anglophones, à Tonga on trouve des bêtis, à Tonga on trouve des bassas. Donc j'ai trouvé que par Tonga, on peut lancer un exemple pour que tout le pays suive. L'après-midi prévoyait le démarrage proprement dit de ce tournoi de football. Plusieurs invités de marque y ont effectué des placements afin de vivre les temps forts d'une grande première dans l'arrondissement de Tonga. Des artistes musiciens du département d'Yaoundé, alliant leur voix grave au son exotique de cette partie du pays, n'hésiteront pas à plonger les mélomanes dans une ambiance de grands jours. C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga en personne qui préside ces festivités sportives. À ses côtés, le premier magistrat de la commune de Tonga. Dans son propos, le promoteur de cette première édition du tournoi de l'unité de Tonga précisera qu'il est question de stimuler les jeunes afin qu'ils participent amplement à la dynamique de l'émergence et travaillent pour trouver leur voie à travers le football comme plusieurs autres footballeurs dont le talent s'est avéré ou consolidé à travers les tournois du genre. Et cela a été possible par le concours de beaucoup de grands frères ici, que je ne peux pas citer parce que tout le monde a contribué. Et déjà par votre présence, vous avez déjà contribué. Les nombreuses élites de cet arrondissement auront également pesé de tout leur poids afin que ce tournoi se tienne. Une fois le coup d'envoi donné par le sous-préfet de l'arrondissement de Tonga, Port Football Club et Sao Paulo gratifieront pendant 90 minutes le public d'un spectacle de haute facture et se sépareront sur le score d'un but partout pour la plus grande satisfaction des élites de cette partie du pays. Le jour d'aujourd'hui au Cameroun, c'est le leitmotiv voulu non seulement par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est un vœu aussi très cher à tout Camerounais parce que l'actualité au jour d'aujourd'hui nous exige de réveiller en nous ou bien de faire montre de cet éveil d'unité et du vivre ensemble. Cette étoile montante de l'arrondissement de Tonga, nous invitons toutes les élites à lui soutenir dans cette initiative. Il est également à rappeler qu'en prédit le coup d'envoi de cette rencontre, l'on a assisté à un imposant défilé des différentes formations devant prendre part au dit tournoi, entièrement équipé de maillots, shorts et bas par le promoteur. La grande finale aura lieu le 25 août 2018, toujours à Tonga. Le fait majeur du jour, c'est bien sûr la publication de la liste des candidats pour la présidentielle de 2018. Et ils sont donc 9 à concourir, Innocent Azé. Exactly, Nadine Yambo, as you got it from Nadine Yambo. 9 presidential aspirants will be taking part in the October 7, 2018 presidential election of Cameroon. The announcement was made public this morning by the Lekam Electoral Board. Voir pourquoi les 250 000 promis n'ont pas été payés. Sa réponse est encore plus évasive. Là, il est question maintenant de les ramener et les déposer chez eux. Parce que le contrat est maintenant annulé. Et dire que la plantation de cacao au centre du litige appartient à François Manga, un ancien sous-préfet, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé connaître la loi. On tombe simplement des nus. Les gens qui passent tout le temps à nous prêter comme des tombes, c'est comme si on n'avait pas les humains là, que vraiment l'État doit mettre les gens là. Même si on ne suit pas la personne, qu'on le met seulement en prison, puisque c'est déjà des tours partout.
Là, on part. On nous traite comme les animaux. C'est comme si on n'a pas le sang, c'est comme tout le reste. On est dépassé, tu vois, depuis la journée, on est là avec les femmes et les enfants. Les syndicats des travailleurs sont formels. Il s'agit là d'un cas d'exploitation avéré. Un phénomène dont les pygmées et d'autres minorités sont régulièrement victimes. Eux que des exploitants agricoles utilisent comme des moins que rien et qui sont presque toujours payés en monnaie de singe. Lorsque leur supposé patron ne cherche pas des prétextes pour ne rien leur donner, l'exemple malheureux du village Niassi, Pambandjok, doit parler à tout le Cameroun. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les campagnes de sensibilisation sur le VIH-SIDA sont-elles en train de s'essouffler? À peine 75 pères éducateurs ont été mobilisés dans la ville de Douala pour pouvoir donc éduquer les jeunes durant ces vacances scolaires. Le reportage de Georges Mitterrandam et de Julingue Nyondi. Le taux de prévalence du VIH-SIDA en nette progression chez les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Révélation faite par les responsables du Comité national de lutte contre le sida pour le littoral. C'était lors du lancement de la campagne baptisée « Vacances sans sida » rendue à sa 16e édition à Douala. Dans la région du littoral, tout récemment, on nous a annoncé par une étude de Campia la baisse du taux de séroprévalence au niveau du Cameroun. Le taux de séroprévalence est passé de 4,3 au niveau national à 3,4 à ce jour. Mais, je vous dirais, la tranche des jeunes qui va de 15 à 24 ans, ce taux de prévalence est encore élevé. Sur les 10 infections que nous pouvons avoir, dans cette tranche d'âge, nous avons 6 infections. Et les jeunes filles sont les plus vulnérables. Donc nous exhortons les jeunes à un comportement responsable, à un bon usage d'utilisation du préservatif, à l'abstinence et à la fidélité à un seul partenaire dont on connaît le statut sérologique. Si la courbe semble avoir baissé sur le territoire national, il n'en demeure pas moins que des mesures doivent être prises pour freiner la propagation du VIH-SIDA en milieu jeune. C'est dans ce sens que 75 pères éducateurs ont été formés afin de sensibiliser cette couche la plus exposée au VIH-SIDA. Il y a eu 75 pères éducateurs qui ont été formés et qui devront, n'est-ce pas, se déployer dans la région à l'effet de procéder à la sensibilisation et à l'éducation des jeunes quant aux mesures qui sont prises dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte. Ces mesures impliquent la participation de tous les acteurs, y compris les jeunes eux-mêmes. Et il a été assigné à ce père éducateur d'éduquer au moins 35 000 jeunes filles pour le compte de cette année et 25 000 jeunes garçons. Une tâche qui certes ne semble pas facile, mais permettra aux pères éducateurs d'informer les populations sur les méthodes de prévention. En tant que père éducateur, nous sommes censés sensibiliser la population. Ils doivent connaître leur statut sérologique et ils doivent savoir que la